Bon, ben là actuellement c'est peut-être pas une bonne idée, je vais tenter la machine à sous The Dead Escape, donc jeu qui m'a jusqu'à présent toujours torché. Bon bien sûr ça reste une machine à sous comme une autre, des fois ça paye que dalle. Donc Casino Espagnol, Pumpkin Patch, il nous restait 10 506. Voilà, les deux mises à 30, on va commencer avec ça. Ça, c'est une machine à sous qui m'a pratiquement torché à chaque fois que j'y ai joué. Mais bon, moralité, ça reste un jeu comme un autre. Des fois ça paye que dalle. Scatter d'entrée, non. Heureusement que j'ai le gros win sur le casino English, ça compense un peu le. Eh ouais, c'est clair que l'Exploding Pumpkin, on est passé de 8004 à 31 000. Bon, ça compense les pertes du casino espagnol et du casino italien. On est quand même bien, bien, bien dans le rouge. Niveau win, il se passe pas grand chose. Alors, on n'a pas encore eu les jokers aléatoires. Alors un petit troisième, parce que là ça sent le retour de la balance à 4 chiffres. Mais non, pas encore. Alors bonus, pas encore. Joker aléatoire, on attend toujours. Les gros wins pour le moment, c'est le néant. Chiffres. Par contre, sur cette machine à sous, je pense pas que je vais faire le show avec des mises élevées. Ouais, trop de mauvais souvenirs de torchade sur torchade avec ce jeu. Ah, 3 scatters sans déconner, arrêt de rouler au pitfall où il faut. Allez, c'est parti, fonction active à 30 balles, espérons que ça rack. Allez, plus un free game quand il y a le jerrycan d'essence. Alors, est-ce qu'on est parti pour des free games cacahuètes? Bon, il en reste 13. Encore que ça va, que les free games ils sont sortis au bout de pas trop longtemps. Allez, petit joker aléatoire, le premier. Petit win à 15. Zombie 155, on a 432 win. On a quand même dépassé le x10 par rapport à la mise. Alors
avec tout ça, du free game de restant, plus une. On va dépasser le x20 par rapport à la mise, on va voir par la suite. Chaque fois 175 990, 1 x 30, 30. J'avais commencé à 10 500 et quelques, donc petit bénéf pour le moment avec ce jeu, ce qui est relativement surprenant. Trop le bonhomme de la série The Walking Dead. Alors, double zombie, double miss, zombie, 220, 1400 de win. Mais franchement, on est pas mal, enfin pour le moment. Bon, on va tenter de se gagner un round de free game, c'est pas gagné. Alors on a 12 200, ça redégringole à 10 500, c'est le bénéf qui s'est fait rebouffer. Scénario classique et des machines à sous qui rebouffent souvent le bénéf qui vient juste de filer. Ça serait trop beau, mais ouais, fallait pas rêver. Ça peut aller très vite, 10 spins perdants à 30 balles, moins 300, 20 spins perdants, moins 600, donc bénéf rebouffé, hop, enfin on va voir. Pas encore le retour du chiffre 10, mais je pense que ça va pas tarder. Troisième serait pas mal. Et on avait le droit d'y croire. Alors 1951. J'aurais peut-être dû me barrer de ce jeu dès que j'avais fait un bénéf, mais bon. Alors, il faut qu'on ait avec les mains, hop, 170. Chiffre 11 qui résiste, il veut pas passer sur un chiffre 10, tant mieux. Alors, je sais pas si ça va durer. Ah, les petits arrêts de rouleau, dommage, dommage, dommage. C'est vrai que généralement, à chaque fois que j'ai testé ce machine à sous pour gagner les scatters, c'est une tannée.
Alors, augmenter les mises avec ce jeu, pas vraiment, on va rester sur des mises à 30. Bon, on va retourner à 10 500, la balance de départ sur le même jeu. Les machines à sous, le bénéf aussitôt donné, aussitôt rebouffé. Alors, on a le droit d'y croire. Et on avait le droit. On est retour à la base, 10 500, hop. Rien de gagné, rien de perdu. Aléatoire, on le voit pas souvent. Bon, la bonne question, est-ce qu'il va me reprendre les trois scatters? Là, c'est. Rouleau 3, rouleau 4, rouleau 5. 3 chances d'avoir le troisième. Voilà, on avait 3 chances. Je sais pas si je vais réussir à gagner le deuxième round de bonus free spin. On va être très bientôt la balance à 4 chiffres de retour. Alors voyons voir. Il s'est fait bouffer. 165. Chiffre 6 qui résiste, chiffre 10 qui résiste, mais jusqu'à quand?
doutais que ça allait être compliqué sur la machine à sous Dead Escape pour se taper la mission Free Spin. Bon là je pense que pour le deuxième round, c'est plus qu'aléatoire. Allez, balance à 4 chiffres. Alors, est-ce qu'il va nous finir par nous rependre les 3 scatters? Allez, un petit retour du 10. Eh ben sans déconner, il était temps, 9766, bon après ça on se barre. Espérons que ça rack. Est-ce que ça va rack un gros paquet ou est-ce que ça va racker un paquet de cacahuètes de plage? 12 free game plus 1. Alors, niveau win 105, 110. Je sais pas s'ils vont payer autant que les précédentes free games. De toute façon, c'est au bon vouloir du générateur aléatoire de symboles, donc on va voir. Pour le moment, on n'est pas au top. Pas encore au x10 par rapport à la mise. Allez, x10, il nous reste 8 free games. Allez, bec et hop, 95. Alors 5 free games de restante, on n'est pas encore au x20 par rapport à la mise. Si on dépasse les 10005, on va se taper un petit bénéfice, mais bon c'est pas garanti. Allez, plus 1 free game. Un petit big win, c'est sympathique. Pas de big win sur ce jeu apparemment. Allez, 2 free games de restante, mais on va même pas remonter à 10005. Enfin, ça fera une petite perte, c'est toujours mieux que de se taper une grosse lose. Allez, 1 free game, la dernière. Et 80 balles pour la dernière. 640, 10, 406. Et ouais, 640, pas énorme. Ah ouais, du coup on se barre, on avait commencé, c'était 10500, ouais 505, 506, ouais 10506, donc là hop, terminus à 10406, donc 100 balles de paumée sur ce jeu, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais bon ça limite un petit peu la casse, parce que ce jeu là, le Dead Escape, c'est généralement de la lose. Allez, on se barre.